J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annule la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annule la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annule la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annule la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes du grappillé, la pesanteur m'a compris, c'est fini. Les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est en 2022. Enfin, là actuellement, on n'est pas en 2022, mais vous, quand vous regardez la vidéo, on est en 2022. Alors, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et de la réussite sur tous vos projets. Désolé, j'ai l'air d'être un peu fatigué parce que je suis fatigué. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait ma petite séance développée couchée sur mon objectif. J'ai validé le cycle, mais les perfs n'étaient pas superbes. Franchement, fatigué. Ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé sur les montages vidéo que vous allez voir ou que vous avez déjà vu. Je pense peut-être vous en avez vu une ou peut-être zéro sur ma chaîne YouTube perso. J'ai tourné deux vidéos, séance biceps et séance triceps. Je vous explique comment prendre des biceps et comment prendre des triceps, comment travailler toutes les parties de ses muscles. Ouh. Et franchement, on ne croirait pas comme ça, mais sur les montages que je fais sur ma chaîne perso et même sur la chaîne Double Dragon, quand il y a des bons montages avec de la musique, etc. pendant l'entraînement, c'est très long. Un exemple, la vidéo biceps que vous allez voir, que vous avez déjà vu,
ça m'a pris 5 heures pour la monter. Et encore, j'avais pas fini. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu. Franchement, c'est beaucoup de travail, surtout quand on veut faire les choses bien. La recherche de musique, faire des bons montages, des bons assemblages de séquences de vidéos, etc. Franchement, c'est long. Mais j'aime bien ça. Donc j'espère qu'un jour ça paiera. Donc là j'étais vraiment fatigué, donc j'ai fait mon cycle hein, au développé couché. Après aux haltères, j'ai incliné un peu plus le banc et j'ai pas mis super lourd. Donc j'ai fait des séries de 12 à 15 répétitions enchaînées avec de la poulie basse, comme vous avez pu voir. Désolé parce qu'il y a le contre-jour, du coup la qualité quand je fais de la poulie basse, elle est pas superbe. Et ensuite un peu de dips. Et franchement c'est tout. Vous savez, des fois, il faut savoir s'écouter quand on n'est pas en forme. Il ne faut pas trop forcer. J'ai quand même forcé pour valider mon cycle développé couché. Mais après, le reste de l'entraînement, je ne me suis pas buté comme je devrais me buter. Enfin, comme d'habitude. Donc là, je sais que j'étais pas en pleine forme. Donc ça ne fait rien que je force. Il n'y avait pas spécialement d'objectif. Mon objectif au développé couché était atteint. Ça ne sert à rien de forcer derrière. D'accord ? Bon, voilà ce que je vais manger. Il me reste un peu de poulet que j'ai fait hier. Voilà, du poulet. Et il reste du riz. Voilà, riz poulet. Et franchement, j'ai la flemme de faire des brocolis. Je mange ça, petite sieste. Bien sûr, avant, j'ai mangé ma petite banane et mon petit shaker. Allez. J'ai vraiment envie de regarder une petite série. En fait, je sais pas si vous connaissez, mais en ce moment, moi, je regarde ça. Godfather of Harlem. Je regarde ça et puis vu que j'ai fini Power, je regarde les books de Power pour ceux qui connaissent. Et puis la série BMF. Je regarde ça en ce moment les gars, toujours en VO. Yo, aujourd'hui session street lifting, 24 décembre et je suis pas tout seul. Ouais, je suis avec des potos, des jumeaux. Voilà, ils me chauffent en ce moment au niveau du street lifting. Du coup, on va faire une session street lifting en montant en charge, en muscle up, en traction et en dips lesté. Comme ça, je vais voir où est-ce que j'en suis en ce moment avant 2022. Je pense que mon niveau, il n'est pas super haut. Hein. En plus, j'ai eu pas mal de blessures, enfin des petites blessures, des petites tendinites. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait ces mouvements. On va voir ce que ça donne. Muscle up, alors échec à 17,5, échec à 20 kg, 15 kg, je suis naze, mais c'est pas grave. Échec à 15. Donc c'est 15. Bon, je suis toujours au-dessus d'eux. <C'est bon. rire> Je pouvais pas me permettre de faire moins qu'eux, même si ça pourtant j'en ai pas fait. Bon, maintenant on va passer aux tractions. Facile 20 kilos. Pour l'instant. Pour l'instant, ils sont faciles.
Un escargot. Ouais, mais j'ai gagné une tonne. À chaque fois que je m'entraîne avec lui, il y a des excuses par rapport à l'avant-bras, les mains, tout ça. Alors moi, je suis largement à l'aise, tu vois, en plus. T'es un peu en galère. Bon, 15 kilos muscle up, pas ouf, 55 en traction, pas ouf non plus, et puis 12 muscle up en poids du corps, c'est pas ouf non plus. On n'a pas le temps de faire les dips et puis le max traction parce que la salle fermée à 16h. Alors, vous êtes content de vos perfs? Ouais, bof, j'aurais voulu te battre quand même. Bon, ça fait pas longtemps qu'ils s'y mettent, ça fait quoi, un an? Ouais, un an et demi qu'ils s'y mettent. Donc honte à moi parce que moi ça fait un moment. Et puis là franchement les perfs elles étaient pas ouf. Bon après j'ai jamais fait plus que 15 kilos en muscle up sur une rep. En traction mon record c'est 60, donc j'ai pas réussi à la faire, nos reps. Et en max muscle up je sais pas, c'est peut-être 10 ou 12 comme là. Enfin je sais pas, je me rappelle plus avoir fait ça. Puis max traction c'est 45 comme vous savez très bien sur une vidéo que j'avais fait. Yo 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 les dragons, lundi début de semaine, donc là on va reprendre l'entraînement après 3 jours de repos. Bon ça va, j'ai pas mangé trop de conneries hein. Moi j'ai juste fait un repas en famille, c'était l'anniversaire de ma maman le 24 décembre, donc repas et c'est tout. Et après bah on a continué à manger normalement et puis à se reposer et puis à travailler sur les projets à venir. Donc là on va attaquer la suite de la progression au développé couché. J'avoue en ce moment vous voyez que ça, mais bon vu que c'est mon objectif principal, je suis obligé de le vous montrer. Et ensuite on passera à autre chose, d'accord. Deuxième semaine, on est sur la répétition de 3. En ce moment quand je fais les séances de développé couché, je suis pas en super forme parce que je viens assez tôt. Mais bon j'ai pas le choix, comme ça il n'y a pas grand monde à la salle et je peux filmer tranquillement parce que le fitness park de Reims il est pas super grand, donc aux heures creuses, il y a du monde. Donc là, je me force à venir tôt, même si j'aime pas trop venir tôt. J'aime bien me réveiller tranquille et bosser sur l'ordi, etc., que de venir direct faire ma séance. Mais bon, là, on n'a pas le choix. On va faire le taf et je vous montre son image.
la séance est terminée. Franchement, c'était pas ouf les perfs. Hein. Ça va, mais c'était pas ouf. Et en ce moment, j'ai du mal quand je me lève tôt. Mon système nerveux quand j'arrive à la salle. Je suis pas bien réveillé. Je suis pas super chaud. Je me force. Je sens que je suis pas encore bien réveillé quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai validé mon cycle. J'espérais faire un peu plus de reps à 110 kg quand même. Mais bon, c'est pas grave. Il faut dire que je cherche encore la bonne position à avoir au développé couché. J'essaie d'avoir la meilleure position, la meilleure technique possible. Donc des fois, je change quelques trucs. Placement des pieds, placement des jambes, je resserre un peu plus sur le banc. J'essaie de trouver vraiment la bonne posture. Et je sais que c'est pas bon. J'aurais dû déjà la trouver depuis longtemps avant d'attaquer le cycle. Mais des fois, j'essaie de changer pour voir. Pour voir si je suis mieux ou pas. Mais bon. Du coup, j'ai juste fait du développé couché et des dips. Parce que les dips, j'aimerais bien reprendre. Et là, en ce moment, j'ai pas trop de douleur. Donc, ce que j'ai fait en dips, c'est que j'ai fait une montée de gamme de 5 répétitions. Donc, c'est-à-dire, je suis allé jusqu'à 80 kg sur des séries de 5. Et arrivé à 80 kg, je suis redescendu à 60 kg et j'ai fait 5 séries de 10 répétitions. J'en ai chié, mais elles sont passées. Donc, c'est cool. J'espère que la semaine prochaine, je vais mieux gérer au niveau des une répétition. D'ailleurs, un truc à préciser sur le 5-3-1 à la dernière semaine, c'est-à-dire à la troisième semaine, sur les semaines des une répétition, normalement les séries ça se passe comme ça. On fait 5 répétitions, 3 répétitions et max 2 répétitions, minimum 1. Mais moi je fais 1-1-1. Donc ça c'est bon choix. Après normalement c'est 5-3-1. Donc j'avais oublié de le préciser ça. Là j'ai eu un petit changement sur la première page, la couverture. Ok. En fait, c'est juste que tu fasses un switch, c'est-à-dire, tu sais, genre où c'est marqué poids du corps, j'aimerais bien mettre débutant avant, pas de corps. Enfin, mettre débutant, ensuite 12 semaines et ensuite poids du corps. Donc voilà, donc je referai une relecture demain ou ce soir, et puis je te tiens encore dans la semaine, tu vois. Ouais, peut-être reposer. Hein. Ouais, t'inquiète. Maintenant, je prends bien mon temps. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Je prends bien mon temps. Et en plus, parce que je sais qu'à chaque fois de le relire, des fois, ben, tu retrouves des trucs que tu n'avais pas remarqué avant. Des petits trucs, quoi, des petits trucs et tout. Donc, c'est ça. Et du coup, j'ai regardé un peu l'intermédiaire. Ouais. Et je voulais savoir, en fait, si tu avais une autre panel de couleurs à m'envoyer. Ouais, je peux t'en envoyer d'autres. Hein. Ouais, en fait, je veux rester sur la même. Ouais. Mais la même, en fait, la couleur, elle est nickel, mais un peu plus claire. Tu sais, genre un espèce de... qu'elle est sympa, cette couleur. Ouais, mais celle-là, en un peu plus clair. Tu sais, genre un espèce de cool gris, tu vois. Tu sais, genre un peu gris-bleu, enfin, tu vois. Mais comme ça, là, mais plus, un petit peu plus clair. Yo les dragons, c'est parti pour la nouvelle semaine où on va attaquer le développé couché. Donc là, j'arrive sur le dur quand même. Je suis sur les séries de 1. Donc je vais faire quand même 5-3-1 cette fois-ci au lieu de faire 1-1-1. Vous m'avez compris pour ceux qui suivent les vidéos. Et là, j'arrive sur une charge qui est quand même assez conséquente. On commence à mettre un peu du lourd. Donc là, je suis à 115 kg sur mes max répétitions. Donc on va voir ce que ça donne. Là, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans la salle parce que je viens assez tard. Il est 15h. Et vu que voilà, c'est le début de la nouvelle année, j'ai peur qu'il y ait du monde. Donc on va voir. Je vais vous filmer sur le développé couché. Si je peux vous filmer d'autres trucs, je vous filmerai d'autres trucs. Et pour info, je vous en parle tout à l'heure, il y a un podcast qui est sorti avec Biomécanique sur moi. C'est très intéressant, je parle de mon passé, comment je suis arrivé dans le fitness, comment j'ai commencé le breakdance et un peu du fit game.
Bon les dragons, la séance est terminée, je suis rentré, je suis fatigué, donc je suis quand même content. J'ai fait une bonne perf, donc à 115 kg, j'ai fait 10 répétitions, donc je suis toujours dans le progrès. Par contre, j'ai essayé une autre technique, c'est-à-dire j'ai pris un tout petit peu plus large que d'habitude et j'ai vraiment essayé de resserrer mes jambes, mes cuisses sur le banc. Et en fin de compte, non. Donc je pense que je vais réessayer la prochaine fois d'avoir les bras un petit peu plus écartés. Parce que d'habitude, je prends un peu plus serré car j'utilise pas mal mes triceps. Mais de ne pas serrer autant mes cuisses contre le banc. Du coup, j'arrive pas à bien faire mon leg drive et j'ai tendance à plus lever les fesses. Du coup, je vais peut-être éviter de faire ça. Mais bon, ça va, j'avais quand même du jus. Donc ensuite, j'ai enchaîné les dips parce que j'ai envie de progresser en dips, de reprendre de bonnes perfs sur les dips. Donc là, je suis monté jusqu'à 80 kg. Franchement, 80 kg, c'est lourd. Donc faut que je me réhabitue à faire des séries à 80 kg. Donc j'ai fait 5 répétitions pour ensuite redescendre à 60 kg pour faire du 5x5 en rest pause. C'est-à-dire, je restais une seconde, voire une demi-seconde en bas avant de monter. Franchement, ça m'a pas mal cramé, surtout après le développé couché. C'est pour ça que je suis pas aussi performant en dips, mais bon, ça va. Et ensuite, je suis parti sur l'incliné en superset avec de la poulie basse pour cibler un peu plus les hauts des pecs. Et je n'ai pas fait d'exercice pour la full planche. Ça fait un petit moment que j'ai lâché, j'avoue. J'attends d'acheter des barres. Il faut que j'achète des barres parce que à chaque fois, je suis avec les poignées pour les pompes et c'est pas top. Il faut que j'achète des petites barres parallèles. Donc, je suis en train de regarder sur Amazon ce qu'il y a. Bon, c'est un peu cher, mais j'ai trouvé des petites barres où le prix, ça passe. C'est pour ça que j'avais pas envie d'investir dessus, mais je vais devoir investir si je veux progresser. J'ai trouvé ça. Voilà, c'est pas trop cher, hein, 35 balles. Parce que sur d'autres sites, des fois, c'est 80 euros, etc. Donc là, ça va 35 euros pour ça. Il y a quand même de bonnes notes. Bon, apparemment, c'est juste que des fois, si c'est sur un saut glissant, ça va glisser un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. 35 euros, avoir le frais de port et la combien, mais je vais prendre ça. Au moins là, j'aurais pas d'excuses, je pourrais même le bosser chez moi. Et ça sera facile à transporter pour aller à la salle, car elles sont petites. Donc c'est cool, comme ça, à chaque fois, je l'emporterai avec moi à la salle. Vous voyez, hop, là en photo, voilà, c'est de petite taille. Ça a l'air de faire le taf. On va voir. Aussi, n'hésitez pas à checker sur la chaîne YouTube Biomécanique Podcast. J'ai fait un podcast avec Mister Biomécanique. Donc, il dure 3 heures. Donc, vous pouvez soit le regarder sur YouTube ou soit l'écouter sur Spotify, etc. Donc, franchement, n'hésitez pas si vous voulez connaître un peu plus mon parcours, à quel moment j'ai commencé la musculation, mon passé de danseur hip-hop, du fit game, du hip-hop, etc. Donc, je vous invite à regarder le podcast ou à l'écouter. J'avoue, 3 heures, c'est long, mais il y a des choses intéressantes, les gars.